Salut tout le monde, c'est BugmanFR, comment allez-vous? Moi je vais très très bien les amis, aujourd'hui je suis très heureux d'enfin vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je tenais à m'excuser avant de commencer la vidéo, parce que franchement j'ai pas pu vous proposer de vidéo pendant à peu près une semaine. Tout cela s'explique, j'ai pas eu d'ordinateur en fait, j'ai dû réinstaller entièrement mon Windows, ce qui a fait que j'ai réinstallé tous mes logiciels, tous mes jeux et tous mes logiciels, tout, j'ai tout réinstallé en fait. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, en même temps il y a eu vers le même moment, il y a eu l'E3, il y a eu les matchs, il y a eu plein de trucs, même dans ma vie personnelle, il y a eu vraiment beaucoup de changements. Donc du coup là on est reparti pour un tour. Maintenant j'ai un disque dur de 2 Teraoctets spécialement conçu pour mes vidéos. Donc normalement j'ai assez de place pour pouvoir justement vous proposer des vidéos en pagaille, en 1080p et tout le bazar. Normalement c'est au top. Alors normalement aussi également vous allez sentir 2-3 petits changements au niveau de ma voix. C'est-à-dire que j'ai changé un petit peu les options de mon micro. C'est-à-dire qu'en fait, bon je vais pas trop en parler mais j'ai un Blue Yeti. Et en fait, il est posé sur un pied et j'ai changé le sens du pied et j'ai également changé les options au niveau du micro derrière. En fait, on peut choisir dans quel sens le micro va capter le son. J'ai un peu changé ça, j'espère que ça va pas vous déranger. Je sais même pas à quoi ça va ressembler au niveau de mon côté. Donc voilà, bon, on stoppe le bavardage et on part directement donc pour le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle version de BeamNG Drive. Alors, je vous en avais déjà parlé lors de mes anciennes vidéos sur ce jeu. Je vous avais dit que j'attendais avec impatience cette mise à jour, cette update. Faut savoir qu'avant, voilà, toutes les vidéos que je vous ai proposées précédemment, c'était sur la version 3.05, qui était une mise à jour déjà vraiment avancée. Pour une alpha, c'était vraiment déjà bien complet. Mais maintenant, en fait, on est passé de la version 3.05 à la version 3.10, qui nous apporte vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et encore, là, c'est la pre-release de la version 3.10. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le test de la mise à jour. Donc là, je suis en train de tester la mise à jour avec vous. Et elle sortira de façon complète dans quelques semaines. Enfin, elle va sortir dans très peu de temps normalement. Et je vais donc dans cette vidéo vous parler de toutes les nouveautés. Et pour ceux qui débarqueraient sur cette vidéo-là sans avoir vu mes anciennes vidéos, et bien tout simplement, je vais vous expliquer le principe du jeu. Donc c'est parti. Alors nous sommes sur la version 3.10 de BeamNG Drive. Et pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, vous allez vous dire, mais what the fuck? Pourquoi t'as changé de menu? Alors c'est pas moi qui ai changé le menu en fait, ça fait partie de la mise à jour, le menu a totalement changé. Avant on avait le droit à des options un peu vagues, enfin on avait 4 options affichées en bas de l'écran avec un fond sur une prairie. Maintenant on a plusieurs décors qui s'affichent à l'écran avec un menu déroulant, dépliant qui s'affiche ici. On a toujours maintenant on a 5 options, on a le chat qui s'est rajouté. Alors le chat je sais pas vraiment à quoi ça correspond, je suis jamais allé dessus mais apparemment c'est super utile, donc bon un jour j'irai faire un tour. On a la team, donc en fait la team c'est le générique du jeu où on voit tous les développeurs du jeu. Donc ça c'est pas mal. On a les options qui sont toujours là. Alors au niveau des options, il y a eu vraiment pas mal de nouveautés. Faut savoir que le jeu est 20%, non 25%, je dis des conneries, 25% mieux optimisé en fait que lors des anciennes versions. C'est-à-dire que là le jeu est 25% plus fluide, enfin potentiellement plus fluide. Et il y a toujours donc notre ami le bouton play qui va nous permettre justement d'accéder aux maps. Alors pour ceux qui auraient jamais vu le principe du jeu, qui ne connaissent pas du tout ce jeu, je vais vous expliquer justement quels sont les points forts de ce jeu. Déjà, alors, le plus gros point fort, je trouve, c'est qu'il est modable. C'est-à-dire que cette map-là, et j'en ai pas installé énormément, hein, celle-ci et également celle-ci et celle-ci, sont des maps qui ont été créées par la communauté. Donc en fait, c'est vous et moi qui avons créé ce genre de map, qui permettent justement de pouvoir faire des rallyes, des courses, des routes, des trucs de malade. Mais il y a également donc les maps qui ont été créées par les développeurs, donc comme celle-ci, celle-ci, il y a celle-ci aussi, celle-là, celle-là, et ces deux-là, voilà. Et Small Island, il faut savoir que c'est une des maps qui a été le plus modifiée entre les deux mises à jour. Maintenant, il y a des tunnels, des cascades, de nouvelles routes, des nouveaux éléments au bord de la route, c'est vraiment le top. Et je vais donc expliquer, j'étais en train justement, je me suis coupé tout seul, je vais donc vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce jeu. Alors, en fait, ce jeu, c'est un jeu de voiture. À l'origine, à la base en fait, vraiment à l'origine, le projet du jeu c'est un jeu de voiture avec des crashs de bagnoles super réalistes. En gros, vous voulez défoncer une voiture, vous pouvez le faire dans ce jeu là et ce sera super réaliste. Mais maintenant en fait le jeu commence à partir un peu dans tous les sens parce que dans le jeu il y a des voitures, il y a des bateaux, il y a des avions, il y a des motos et il me semble même qu'il y a des hélicoptères. Enfin il y a des hélicoptères en fait, c'est ça le truc. Tous ces véhicules-là, en fait, ont été créés par la communauté, et c'est vraiment énorme. Alors, je vais vous présenter un peu l'ATH et le menu, et ce qui a changé par rapport à l'ancienne version. Alors déjà, pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, vous allez reconnaître vaguement la map, mais en fait, la map a quand même un peu changé.
la map Grid Map, en fait, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est la map ultime pour les tests, pour voir justement comment fonctionne le jeu. Déjà, la map en elle-même a changé. Il y a aussi d'autres choses qui ont été rajoutées. C'est le compteur, tous les compteurs que vous voyez affichés à l'écran. Donc ça, dans l'autre version du jeu, il n'y avait pas. Donc là, vous voyez, je vous expliquais à quoi ça sert ces éléments. Ça, c'est les vitesses. Ça, c'est le compteur de vitesse. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut customiser ça à volonté. Et je trouve que c'est ce qui manquait vraiment au jeu. Donc vous voyez, tout ce que vous voyez là, je peux le rajouter. Et encore, on n'est que dans une version alpha du jeu, ce qui veut dire qu'il y aura 3 milliards d'options en plus plus tard. Donc là, par exemple, je veux rajouter... Qu'est-ce que je peux bien rajouter? J'ai déjà mis tout ce qui était très utile. Je vais mettre, par exemple, le steering position. Donc je pense que c'est la position du volant. Je peux mettre justement cette option, donc je peux la placer où je veux sur l'écran, je vais la mettre ici, j'appuie sur le clic gauche, et voilà, maintenant j'ai toutes mes options qui sont mises en place et prêtes à être utilisées. Donc je pense que c'est le volant, voilà, regardez, quand je tourne le volant, il y a le steering position qui tourne, donc en fait c'est le volant. Donc ça c'est pas mal, c'est pas très utile, mais ça reste pas mal quand on est en vue extérieure. D'ailleurs je parle de vue extérieure, mais dans le jeu il y a aussi une vue intérieure, qui est tout simplement magnifique, les véhicules sont très très bien modélisés. Et d'ailleurs le gros point fort c'est que déjà il y a les pédales, alors vous avez, je sais pas si vous allez le voir, en fait c'est juste en dessous là, il y a les pédales qui bougent, il y a le volant qui tourne, encore heureux, il y a aussi le compte tour qui compte le tour en direct, il y a la vitesse qui tourne également en direct, les vitesses qu'on passe sont également affichées, le carburant est réellement affiché aussi, on a vraiment un grand nombre d'options qui sont offertes, qui nous sont offertes tout simplement, il y a aussi une vue capot, pour ceux qui aiment la vue capot, une vue au niveau de la roue. Et bien évidemment, la vue... merde, je vais m'écraser là, je vais faire un accident. Waouh, waouh, waouh. What? Voilà, petit crash. Il y a toujours voilà, la vue extérieure qui est ma vue favorite. Et donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, le gros atout de ce jeu, c'est justement la grosse destruction qui est disponible dans le jeu en fait. Le moteur du jeu propose de détruire les bagnoles de façon super réaliste. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est qu'un avant-goût, parce que là, je me suis pris un mur, ok, voilà, ça va, c'est pas impressionnant. Mais genre les crashs un peu plus impressionnants comme celui-là, qui reste quand même assez light, on peut vraiment faire des crashs très impressionnants et ce sera toujours assez fidèle. C'est-à-dire que regardez, je vais essayer de vous montrer le truc dans un contexte comme si c'était des vraies voitures. Donc je vais prendre la BMW, je vais la prendre et vous allez voir justement le réalisme de la destruction des véhicules. Alors j'espère que ça va le montrer de façon réaliste. Pour ceux d'ailleurs qui veulent voir une vidéo comparative entre la vraie BMW qui se crash dans un vrai crash test et cette BMW-là dans ce jeu, vous pouvez aller voir mon autre vidéo que j'ai sorti il n'y a pas très très longtemps, où je fais justement une comparaison entre les deux véhicules. C'est assez bluffant parce que c'est très 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 similaire. Moi je vous invite à aller voir cette vidéo là, où je pense que vous pourrez être choqué. Donc alors c'est parti, je vais vous montrer justement la destruction de ce véhicule. Moi je vous dis, alors attendez, je vais me concentrer un peu. Voilà, on va la faire s'écraser là-dessus. Donc là j'ai appuyé sur le bouton J du clavier pour mettre le temps en pause. Maintenant que j'ai mis le temps en pause, je vais faire Alt plus les flèches directionnelles pour ralentir le temps du jeu. Donc je fais 1, 2, 3, 4, j'ai appuyé 4 fois sur la flèche directionnelle de gauche pour ralentir le temps, et là le temps est ralenti et la voiture vient de s'écraser. Donc la voiture vient littéralement de se crasher, et logiquement dans la vraie vie le niveau de crash est similaire. Alors je sais pas si je me fais comprendre, mais la physique du jeu, les caractéristiques des véhicules, donc c'est à dire que normalement le véhicule du jeu fait le même poids que le véhicule dans la vraie vie. Donc logiquement, il y a le même rapport de poids quand il y a un impact. Normalement, les deux véhicules ont la même vitesse maximale, la même puissance, le même aérodynamisme, parce qu'il faut savoir que le jeu prend en compte justement l'aérodynamisme, c'est-à-dire qu'il y a de l'air dans le jeu. Alors c'est assez compliqué à expliquer, j'ai déjà essayé de le faire dans une autre vidéo. Mais en fait, il y a de l'air dans le jeu, contrairement à tous les autres jeux. Vous allez me dire, bon, il y a de l'air, ouais, d'accord. En fait, il y a de l'air, et justement, c'est ça qui peut faire voler les avions, regardez, hop. Donc il y a de l'air, je vais y arriver. Il y a de l'air, et en fait cette air permet de pour de bon d'avoir justement une portance réelle. C'est pas juste, je sais pas moi, un script ou je ne sais pas quoi, qui font que les véhicules s'envolent. Alors là je viens tout juste de détruire mon avion. Donc pour ceux qui auraient reconnu, c'est l'avion de GTA 5, au cas où. Donc ouais, il y a réellement de l'air. Putain, je suis en train de le détruire l'avion là. Alors attendez, je vais reprendre une voiture et je vais vous montrer le décollage. Je vais prendre celui-ci. Je vais vous montrer le décollage. Alors je vais y arriver. Il y a vraiment de l'air dans le jeu, donc en gros l'avion, quand il va s'envoler parce qu'il aura réellement de la portance sur ses ailes. L'avion va avancer aussi parce qu'il y aura réellement de l'air qui va être propulsé par les moteurs. C'est comme dans la vraie vie en fait, c'est contrairement à un GTA où par exemple quand un hélicoptère va s'envoler, dans GTA 4 ou 5, hein, quand un hélicoptère s'envole, je sais pas si vous avez remarqué, que les hélices se cassent, pour ceux qui ont modé leur jeu par exemple, je vais pas réussir à m'envoler.
Ok, je plane. Je m'écrase. Bon, j'arrive pas à m'envoler avec l'avion, mais normalement il peut s'envoler. Mais j'ai pas assez d'espace pour m'envoler, c'est un truc de malade. Pourquoi je m'envole par là-bas? Non, je ne veux pas. Attendez, j'aimerais bien vous montrer quand même l'avion qui s'envole, parce que c'est ça vaut la peine. Attendez, là je suis bien positionné. Vas-y, décolle. 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 Vas-y. Vas-y. Aïe, 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 aïe. Vas-y, décolle. Il y a plus qu'une aile, c'est pas grave, décolle. Non bon, j'arrive pas à vous montrer justement l'avion qui décolle, mais alors attendez, contrôle R, je vais encore essayer une dernière fois. Parce que ça vaut la peine, parce que le jeu, ce qui est bien, c'est qu'à l'origine, c'est un jeu de voiture, mais qu'il y a des gens qui ont pensé... Oh là là, je vais jamais y arriver, contrôle R. What? Ah non, je vais pas y arriver. Je pense que là, c'est, je vais jamais réussir à vous montrer un avion qui va décoller dans ce jeu. Parce qu'en fait, les trucs sont vraiment fragiles, vous voyez, là, je viens de percuter les hélices au niveau du sol, et ça a carrément pété l'avion. Bon alors, attendez, on va arrêter les conneries, hein. Je vais arrêter de conduire cet avion, je ne suis décidément pas un pilote d'avion. Donc ouais, je voulais vous dire. Tout ce qui est portance au niveau de l'air, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait être barbant. Mais en gros, voilà, le jeu prend en compte tout ce qui est air, ce qui veut dire que la petite vitre qu'il y a devant, si on était réellement dans le jeu, on sentirait l'air en fait. Enfin, c'est assez chelou à dire comme ça puisque c'est un jeu, mais en gros, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est aussi l'un des points forts invisibles du jeu. Donc du coup, c'est vraiment une très très bonne chose. Après, il y a le moteur, voilà, comme je vous le disais, qui est, reproduit très fidèlement les crashs de voiture, sans pour autant bouffer beaucoup de ressources, parce que j'ai remarqué que dans mes autres vidéos, beaucoup de gens me posaient des questions. Est-ce que ça va marcher sur ma machine, etc., etc. Regardez dans la description, je vous ai mis la configuration minimale pour que le jeu se lance. Donc en fait, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Vous imaginez que moi, ma carte graphique, elle a 4 Go de mémoire vidéo, et le jeu n'en demande au minimum hein, que 500 mégas. 500 mégabits de mémoire vidéo pour pouvoir se lancer et pour qu'on puisse y jouer avec les options minimum bien évidemment, mais pour qu'on puisse y jouer. Donc vous voyez que franchement tous les PC peuvent le faire tourner. Il me semble qu'il faut 4 Go de RAM, 4 ou 6, je sais plus si je sais plus combien de Go de RAM il faut. De toute façon vous pouvez le tester. Alors je sais pas si je voulais préciser, mais en fait le jeu a une version démo qui permet justement de tester pour voir si le PC il tient la route. Donc alors je vais essayer de vous expliquer. Alors j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, punaise, je vais jamais y arriver. Alors, déjà je vais vous parler des optimisations, après je vais vous parler du jeu et comment vous pouvez le trouver, où et à combien. Alors, le jeu a eu le droit donc à sa dose de mise à jour, donc je vais prendre un autre véhicule encore, vous m'excusez. Je vais prendre la Grand Marshall, la version sport, et c'est parti. Donc, alors le jeu a vraiment eu voilà, vraiment beaucoup de nouveaux ajouts, de nouvelles mises à jour, de nouveaux éléments qui ont été rajoutés au jeu donc avec la mise à jour 1.10, enfin 3.10. Déjà, il y a eu quelque chose qui a été patché qui était assez gênant, c'est les micro-lags avant un crash. Alors, en fait, juste avant qu'il y ait un impact dans le jeu, avant il y avait un micro-lag. Là, vous voyez, hop, je me crash, il n'y a aucun micro-lag, c'est-à-dire que le crash est en instantané. C'est-à-dire qu'avant, en fait, il y avait un lag de 2 secondes avant que la voiture se... En fait, le jeu se mettait en pause pendant 2 secondes, il calculait le crash un peu, il anticipait un peu, et après, il remettait le temps, et hop, on pouvait s'écraser. Alors que là, en fait, ce petit temps de chargement, je sais pas comment je pourrais appeler, ce bug, en fait, il a été réglé. Et je trouve que c'est bien parce que c'était un peu gênant, par exemple, quand on voulait faire, par exemple, des vidéos de crash test, à chaque fois qu'on voulait se crasher, bah, le jeu, il frisait pendant 2 secondes, du coup, il fallait faire un petit montage où on sautait les images perdues. Il y a également les feux de nuit qui ont été rajoutés. Bon, là, il fait jour dans le jeu, mais je peux maintenant allumer mes phares, donc ça, c'est une bonne chose. Enfin, je pouvais les allumer avant, mais en fait, là, il y a... Alors ça va être chaud à expliquer ça aussi. Mais en fait les phares éclairent... ils éclairent de façon réaliste en fait. Je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer. Ils éclairent 2 fois milliards de fois mieux que lors de la mise à jour précédente. On peut donc aussi... Alors ça je voulais pas montrer, j'ai honte de moi. On peut aussi choisir la couleur de notre bagnole. Alors ça c'est une bonne chose aussi. Donc vous voyez, vous faites CTRL-E pour afficher le menu. Vous allez dans les couleurs et vous pouvez choisir la couleur de votre bagnole. Alors ça c'est vraiment bien. Parce que ça permet de personnaliser un petit peu notre jeu, quoi. Parce qu'avant, on avait tous les mêmes couleurs au niveau des voitures et tout. Donc là, je l'avais en rouge. Je clique sur OK. Et je vais avoir une voiture. Ouais, enfin, rouge entre guillemets. Je vais prendre plutôt jaune, alors, dans ce cas-là. Alors, jaune. Du jaune. Vraiment, le jaune, il est jaune. Voilà. Enfin, quoique, les couleurs sont un peu cheloues. Mais en gros, on peut changer les couleurs des voitures. Et bah, ça, on pouvait le faire avant. Mais c'était beaucoup plus compliqué. Alors que maintenant, voilà, on peut vraiment changer les couleurs. Il y a une vue intérieure dans tous les véhicules. Alors, il y avait déjà une vue intérieure dans tous les véhicules avant, mais là aussi, il y a une vue intérieure dans tous les véhicules. Qui est beaucoup plus fidèle, il me semble, d'après ce que j'ai lu dans les mises à jour. La vue intérieure est mieux faite. Ou... Oh merde, je suis pris quoi? Ouh la vache, ah ouais, d'accord, j'avais pas vu le truc. Je viens de défoncer la voiture.
Donc ouais, voilà, maintenant il y a la vue intérieure qui est toujours aussi complète. Quand on allume les phares, on voit le petit cône des phares au niveau de l'affichage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a la map, les maps officielles. Alors les maps officielles ont été améliorées. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là je vais retourner dans le menu. Donc là j'ai appuyé sur échappe et je suis allé dans le menu. Je clique sur play et je vais vous montrer l'une des maps officielles qui a été mise à jour. C'est Small Island. Donc cette map là en fait elle a été carrément refaite de... Enfin quasiment refaite de A à Z. Ils ont rajouté comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des ponts, des tunnels, des fontaines. Je vais y arriver. Pourquoi, je sais pas pourquoi je dis des fontaines à chaque fois. Des cascades, des routes et tout ça. Ils ont rajouté plein de choses. Donc c'est vraiment pas mal. Donc en fait voilà, cette map là a été remise au goût du jour, on va dire. Et ce qui est bien, donc là je vous montre justement le potentiel du jeu, parce que je vous le montrais tout à l'heure dans le mode pas très joli, en mode test. Maintenant je vous le montre en mode jeu, alors je vais vous cacher la souris. Je vous le montre en mode vrai jeu vidéo, ce qu'il peut vous proposer. Donc là je suis en train de rouler sur la route et je peux vous dire que la conduite est assez difficile. Alors je joue avec une manette d'Xbox, moi je préfère les jeux de voiture, pour moi c'est beaucoup mieux avec une manette. Donc voilà, j'essaie de conduire assez bien. Je roule pas trop vite, parce que si on roule trop vite, on défonce la voiture. Merde, putain. Et du coup, voilà, on peut se faire des courses, des rallyes, parce qu'il faut savoir qu'on peut rajouter des intelligences artificielles qui vont essayer de nous foncer dessus. Ouah, merde, c'est bon. Adieu. Adieu. Je suis en route, là. Aïe. Donc voilà, on peut rajouter des intelligences artificielles, on peut vraiment faire plein de choses dans le jeu. Et je crois que je viens de bousiller ma direction, là, non? Je sais pas, le 4x4, il a du mal à tourner. Là, je crois que j'ai un peu bousillé la direction du 4x4, mais c'est pas grave. Donc voilà, alors, au niveau de... Voilà, donc les maps officielles ont été améliorées. Je sais pas pourquoi je m'égare, hein, à chaque fois que je vous expliquer des choses sur ce jeu, j'arrive toujours à m'égarer parce qu'il y a trop de choses à dire. Je vais me planter. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est bon, je suis planté, je suis sur le dos, adieu. C'est fini. Donc voilà, en gros, voilà, donc les maps officielles ont été améliorées. Il y a une nouvelle Skybox, alors, personnellement, je sais pas trop ce que c'est que la Skybox, mais apparemment, la Skybox, donc je suppose que c'est le ciel, a été améliorée, du coup les reflets sont plus réalistes, ou je sais pas trop quoi, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il voulait dire par Skybox améliorée. Donc en gros voilà, la Skybox a été améliorée, les collisions sont encore plus réalistes, c'est-à-dire que quand on va faire des accidents, ça va être encore plus fidèle qu'avant. Parce qu'avant en fait, il y avait par moments, il y avait par exemple les pneus qui étaient crevés, mais on pouvait encore rouler en fait. Le pneu il était crevé, mais on pouvait rouler comme si le pneu il n'était pas crevé. Alors attends, je vais essayer de vous montrer. Non, j'arrive pas à vous montrer. Alors que maintenant, voilà, quand le pneu est crevé, le véhicule va réellement trembler jusqu'au moment où il va carrément se disloquer parce que le pneu, bah, il est carrément défoncé, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Merde, putain, franchement, je conduis mal. Hein. Quand je commente en même temps, j'arrive pas à conduire. Donc voilà, en gros, tout ça, ça a été amélioré. Il y a eu vraiment plein d'autres mises à jour, d'optimisation et tout ça. Ils ont changé un peu les textures de certaines choses pour qu'elles soient encore plus belles. Maintenant, il y a une compatibilité pour les écrans 4K. Donc ça, c'est un truc de fou. Donc voilà, alors tout ce qui est mis à jour, c'est présenté. Maintenant, je vais vous parler du jeu de base, et justement de ce que ça peut proposer gratuitement et ce que ça peut proposer sur la version payante. Alors, il faut savoir que la version gratuite, c'est une version démo. Donc, qui dit démo dit, bah, il n'y aura pas tout le jeu. Dans la version démo, vous n'aurez que cette map-là. Vous aurez la grid map, donc je vais vous la montrer, enfin, je vais vous la remontrer. Vous aurez donc la grid map avec ce 4x4. D'accord? Vous aurez juste la grid map, ce 4x4 et aucun affichage sur l'écran. Vous n'aurez rien d'autre. Vous ne pourrez pas modder votre jeu, ça sera un peu chiant. On va le dire ça comme ça clairement. Même si on peut quand même s'amuser, hein, vous voyez, là je garde le 4x4 de base, je peux le faire se crasher. Hein, c'est pas un mode. C'est pas, la démo reste assez complète et on peut se faire une idée sur le jeu. Vous voyez, là, le 4x4 peut quand même se détruire. Moi je trouve que. Moi j'ai commencé sur la démo et après j'ai acheté le jeu. La démo, du coup, elle vous permet de vous faire une idée sur le jeu. Elle vous permet également justement de vous faire une petite idée sur la puissance de votre ordi, voir s'il peut supporter le jeu ou non. Donc là, regardez, je vais vous montrer. Donc là, j'ai appuyé sur... Je vous refais les tutos à chaque fois que je le fais. J'appuie sur J, j'arrête le temps. Donc là, au moins, c'est clair. J'appuie sur Alt et j'appuie sur la flèche directionnelle de gauche et je ralentis le temps. Donc ça, vous l'aurez aussi dans la démo. Vous pourrez ralentir le temps pour voir les crashs au ralenti. Vous aurez, alors, sur cette map-là, faut pas croire qu'elle est incomplète. Alors, je vais encore vous cacher la souris, je suis désolé. Faut pas croire que la map, elle est incomplète. La map est vraiment grande. Et elle a un tas de petits secrets, de petits trucs assez rigolos qui permettent justement de faire des essais. Vous allez voir, alors, je vais vous emmener justement à un endroit que je ne connaissais pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ah, attendez, je vais me mettre là. Alors, le freinage est un peu brutal, mais voilà. Alors, ici, en fait, il y a carrément un tunnel. Donc, je vais allumer mes phares. Merde, putain, je me crache dès le début. De fort, moi. Du coup, je vais me mettre en vue capot. Voilà. Donc là, il y a des tunnels, en fait, dans le jeu. Ils ont rajouté des petits... Alors, j'allume les phares. Voilà.
Ils ont rajouté des petits tunnels pour se faire justement des petits tests. Alors j'arrive pas à passer avec le 4x4 sans déconner. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis des cailloux. Ah c'est bon, j'arrive à passer. Donc justement, ils ont rajouté voilà, des petits tunnels, des petits trucs pour se faire une idée du jeu. Alors moi je me coince, je sais pas. Ok, j'ai réussi à passer. Et bien sûr, on peut se mettre en vue intérieure, ce qui est beaucoup plus réaliste. Mais comme j'ai pété le pare-brise, c'est pas très joli. Et vous avez vu que vous avez l'affichage du compteur de vitesse et tout ça, qui est éclairé. C'est-à-dire que quand je coupe les phares. Ah bah non, ça s'éteint pas. J'ai cru que ça s'éteignait. Avant, en fait. Oh merde, putain. Là, comme je suis en intérieur, à mon avis, ça reste allumé, mais normalement, ça s'éteint. Ok, j'arrive à passer. Donc, je suis littéralement dans un tunnel, hein, là. Faut pas dire autrement. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses, vous pouvez le voir, en fait, ça a vraiment été très bien réalisé. En fait, pour une version démo, je peux vous dire que c'est vachement, je trouve que c'est vachement complet. En fait, il y avait vraiment beaucoup de choses. Après, quand vous prenez la version payante, alors, faut savoir que bon, moi, je bosse pas pour eux, hein, j'essaie pas de vous vendre le jeu, je vous dis juste que moi, j'ai bien aimé le jeu. Quand vous avez la version payante, vous pouvez modder votre jeu, vous aurez toutes les mises à jour, c'est-à-dire que là, c'est la version alpha du jeu. Quand vous prendrez la version... Alors, attendez, je vais vous montrer également d'autres petits trucs. Quand vous prendrez la version payante, donc qui sera la version alpha, si vous la prenez aujourd'hui, au moment où la vidéo sort, ça sera la version alpha. Vous aurez la version bêta gratuitement et la version finale du jeu gratuitement aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous aurez la possibilité de modder votre jeu, de changer l'affichage, vous aurez toutes les mises à jour, vous pourrez changer les couleurs de votre voiture, changer les maps, etc., etc. Vous pourrez même créer vos propres maps. Ça, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait. Alors, je vais vous montrer rapidement comment on fait. Alors, pour ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, vous savez ce qui va se passer. Je vais appuyer sur F11, ça va couper l'enregistrement. Du coup, moi, je vous retrouve dans un instant. A tout de suite. Nous revoilà dans le mode éditeur. Donc, je vous avais dit, c'est très rapide. En fait, moi, quand j'appuie sur F11, ça ouvre une autre page. Et du coup, l'enregistrement se coupe automatiquement. Donc, voilà, on est dans le mode éditeur. Ça, il me semble pas qu'elle y soit dans la version démo. Ça m'étonnerait quand même. Et du coup, on peut éditer la map, tout simplement. Donc, ça, je trouve que c'est pas mal. On peut rajouter des boss, rajouter des éléments sur la carte. Je vais vous montrer ça vite fait. On peut. Alors, pourquoi ma caméra tombe toute seule? Voilà. On peut rajouter. Il me semble qu'on peut rajouter. Alors attendez. Voilà, je sais plus où c'est moi. On peut rajouter. On peut rajouter. Rajouter des trucs. Alors je cherche dans les dossiers. Voilà, on peut rajouter des barrières par exemple. Qu'on peut mettre au niveau du sol. Donc des barrières qui ont des collisions bien sûr. Donc quand on va la poser, le 4x4 il va pouvoir foncer dessus. Ça va détruire le 4x4. On peut changer. On peut mettre aussi des. Ah non, ça je peux pas le faire sur cette map là. En fait, enfin si je peux le faire. Mais alors je vais l'appeler A. On peut créer des textures, justement. Donc je peux mettre une texture avec de nouveaux layers. Enfin, bon, c'est assez compliqué tout ce qui est mode éditeur, vous savez, c'est pas mon truc. C'est un peu compliqué. On peut créer des boss aussi, vous voyez. Alors, bon, là, il n'y a pas de texture, hein. C'est pour ça que c'est pas très joli. Donc en fait, il y a le décor du dessous. Et on peut créer, en fait, des montagnes, des trucs. Alors après, bien sûr, c'est à vous de rajouter des textures dessus. C'est pour ça que c'est assez compliqué de faire une map, en fait, en fin de compte, parce que, voilà, ça demande du temps. Et après, faut mettre des collisions, des textures. Bon, ça je le faisais avant. Mais depuis qu'il y a eu la mise à jour, ils ont changé 2-3 trucs. Du coup, j'y arrive plus. Mais voilà, vous pouvez créer vos maps. Donc, ça, c'est bien. On peut aussi. Bon, le niveau des textures, je sais pas comment on fait pour rajouter. Voilà, bah. Enfin, je sais pas si vous voyez le menu, mais on peut rajouter des textures. On peut rajouter des routes. On peut faire des routes. On peut mettre autour. Là. Voilà. On peut mettre des routes qui montent. Des ponts. Voilà. Là, je vous montre vite fait les options. Hein. C'est complètement dégueulasse hein, ce que je vous montre, mais voilà. On peut faire des trucs de ce genre-là, donc c'est vraiment pas mal parce que c'est une sorte de sandbox, un peu à la Minecraft, sauf que c'est beaucoup plus joli. On peut également rajouter... Je sais pas si ça va marcher. Do you want to add on? Ouais. Ah d'accord, ça me met une erreur. Ok, j'ai bon, oui. Ça m'a sorti une erreur. Oui, c'est bon, on se calme. Apparemment, je peux pas les rajouter, mais normalement, voilà, on peut rajouter des choses, alors je vais virer ça, voilà, comme ça calme un peu le truc. Et je vais vous montrer quand même ce que je voulais vous montrer, le premier truc que je voulais vous montrer. C'est les courses-poursuites que je voulais vous les présenter depuis un moment. Donc les courses-poursuites en véhicule, donc j'appuie sur J pour mettre le temps en pause. Je vais dans ici, je vais dans Level, BeamNG, Véhicule, et je vais rajouter un véhicule. Alors je vais l'appeler Cop, je vais prendre le véhicule de police, qui est un véhicule modé, je le précise. Je le fais apparaître, là voilà. Je mets comme quoi elle est contrôlée par l'intelligence artificielle. Je vais la mettre derrière. Alors, attendez, je vais mettre la caméra au bon endroit. Je vais la mettre derrière un peu sur le côté. Voilà, comme ça. Je vais la mettre au ras du sol. Et du coup, on va pouvoir avoir des courses-poursuites. Et ça, c'est un truc de malade. Parce que le jeu, course-poursuite avec un moteur super réaliste, c'est le top. Alors attendez, je vais mettre bien au niveau du sol, pas trop près.
Voilà. Donc là, voilà, le jeu, il est prêt pour des courses-poursuites. Alors, hop, je vais remettre la caméra au joueur. Et on se retrouve dans un instant. Je rappuie sur F11. On se retrouve en jeu. À tout de suite. Nous revoilà donc en jeu. Le jeu, il est prêt pour vous, pour que je puisse vous présenter les courses-poursuites. Donc, vous le voyez, il y a mon véhicule qui est là et le véhicule de police qui est derrière. Je remets le temps. Maintenant, je vais paramétrer l'intelligence artificielle pour qu'elle me fonce dessus. Donc, je fais CTRL-T. Donc, ça m'ouvre ce petit menu. Donc, c'est assez compliqué au début à comprendre, hein, mais vous, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre très rapidement à force de T, de TC de tous les côtés. Je fais Crashing Player, je fais Tab, Tab, et normalement, la voiture de flic va me foncer dessus. Putain, j'arrive pas à rouler. Merde. Ah! Et elle me fonce dessus. Et en fait, l'objectif de la voiture de flic, c'est tout simplement de me neutraliser. Donc, d'essayer de m'avoir, en fait. Et comme moi, je suis en 4x4, je pourrais pas lui échapper. Putain, elle me fait. What? Elle me fait carrément partir en cacahuète. Et donc vous voyez en fait l'objectif, en fait j'ai paramétré l'intelligence artificielle pour qu'elle, son objectif c'est de me foncer dessus. Et bah moi mon objectif en fait soit je lui fonce dessus, soit je peux fuir en fait. Donc en fait c'est l'une des choses qui est pas mal. Donc c'est le début de l'intelligence artificielle sur ce jeu. Faut savoir que dans le futur il y aura bien sûr on pourra faire des circuits où les intelligences artificielles pourront courir après nous. Elles pourront faire bien plus de choses. Pour le moment, elles peuvent que nous foncer dessus ou que nous fuir. Donc c'est déjà pas mal. Mais vous voyez la voiture de flic, elle va réussir à m'avoir. Attention. Attention. Oh putain, elle m'a carrément touché. Donc vous voyez, on part tous en cacahuète. Et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, puisque j'avais dit que j'allais vous le montrer et je voulais pas montrer finalement. Donc c'est voilà, c'est encore une des choses qui a été. Qui ont été. Enfin, c'était existé déjà avant, mais ça a été amélioré. Donc du coup, c'est que du bonheur. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai présenté à peu près tout. Enfin, je vous ai rien présenté en vrai concrètement parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Mais je vous ai présenté en fait quelques petites choses fondamentales qui appartiennent au jeu. Je vous le répète, je vous mettrai le lien dans la description de la version démo du jeu qui vous permettra de tester votre PC et justement voir si c'est votre style de jeu ou non. Faut savoir que vous n'aurez pas cette mise à jour en fait dans la version démo, vous aurez l'ancienne version du jeu. Donc avec d'autres textures, des véhicules un peu moins beaux et un peu moins fluides. Donc voilà, je vous mettrai quand même le lien dans la description. Si vous achetez le jeu, ça coûte, je crois qu'il coûte toujours 11 €. Donc vous payez 11 €, vous aurez la version alpha, la version bêta et la version finale avec toutes les mises à jour et tous les modes gratuitement. Donc bah ça c'est le top. Le jeu, alors c'est pas très important de le préciser, mais le jeu tourne sous le moteur Torque 3D. Pour ceux qui le connaissent, c'est un moteur assez ancien qui est malgré tout quand même assez connu. Donc c'est le moteur Torque 3D qui propose toutes ces options. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous montrer. Bon voilà, moi je vous dis à la prochaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis là de retour sur YouTube. Je suis reparti pour un tour. Donc moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao ciao.